Salut tout le monde, on est super contents. Alors, On vous parle depuis Bienne en Suisse et on a la grande joie de former une équipe de travail depuis lundi, Mickaël et moi. Et on va donner toute notre énergie pour soutenir le réseau Transition Suisse-Romande. Ouais. que dire? Que dire? On est hyper enthousiaste de favoriser la transition ici en Suisse romande, parce que moi personnellement, quelque chose que je remarque chez les Suisses, c'est qu'ils sont un peu trop confortables. Donc voilà, face aux défis qui nous attendent dans le futur, on a intérêt à se préparer, à créer de la résilience. Et puis quand on est trop confortable, ben ça pousse pas tellement à agir. Et donc il est temps que la transition se mette un peu en place par chez nous. Ouais, Génial. Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur l'origine, du coup, comment est née votre envie de lancer ce hub en Suisse? ouais, avec plaisir. Donc moi, je suis née en Belgique, à Bruxelles. Et en arrivant ici, j'ai commencé à parler avec les gens, à regarder autour de moi, est-ce qu'il y avait un réseau de la transition en Suisse romande qui existait. J'ai vu qu'il y avait plein de beaux projets, plein d'initiatives qui étaient déjà dans ce sens-là, mais qui n'avaient pas encore cette colle et ce soutien, ce lieu où on peut se former, où on peut connecter au mouvement. Et puis sur le chemin, j'ai rencontré Michel Maximeguer, voilà, qui faisait partie de notre trio, et Mickaël. Et donc ensemble, on s'est dit, banco, on y va, on fonce. Et ouais, et ça répond aussi à l'écho qu'on a eu sur le terrain, où on est bien accueillis, les gens sont curieux, les gens ont envie de travailler avec le reste du mouvement international aussi, d'être connecté. Voilà, c'est encore en jachère. On va voir. Ouais. Et puis, en ce qui me concerne, moi j'avais eu l'occasion d'apercevoir le mouvement dans le film Demain, mais pour moi c'était lointain, tant au niveau de la réalité présente, temporelle en Suisse, que lointain au niveau géographique, vu que ça se déroulait principalement en Angleterre, selon moi. Et puis en découvrant ça lorsque je suis venu en Belgique, j'ai été tellement enthousiasmé par le mouvement que je me suis dit, waouh, il faut avoir ça chez moi aussi, quoi. Et j'aimerais bien que tout le monde puisse s'approprier en fait ce mouvement social là où il habite. Et du coup, voilà, on va essayer de dynamiser ça par chez nous. Et est-ce que la transition en Suisse, c'est proche de la transition en Belgique, vous qui connaissez bien la Belgique, ou est-ce que le mouvement est un peu différent? Ouais, t'as envie? Non, le Suisse va répondre. Comme ça, je fais pas l'enfer. Moi, personnellement, je trouve que le contexte est très différent. C'est vraiment une autre culture. Et je pense que c'est très important de partir de la culture qui est déjà présente et de construire quelque chose à partir de là. Et comme je l'ai dit avant, en Suisse, les Suisses sont assez confortables. Ils ont une excellente qualité de vie, un très bon salaire. Donc voilà, il y a moins le sentiment d'urgence. Il y a aussi des choses qui sont différentes par rapport à la Belgique, où l'humour est très présent chez vous, les Belges. Et c'est quelque chose qui est différent en Suisse, mais qu'on pourrait utiliser pour rassembler du monde. Ouais, moi Okay. je sens que l'intérêt est là et que il y a vraiment un boulot à faire autour d'aller rencontrer les gens qui ont déjà cette idée en tête, qui ont cette pousse dans la tête et qui ont envie de créer des initiatives, qui ont envie de se former, qui ont envie du soutien. Je dirais que c'est là et ça va fleurir en un printemps ou en deux printemps. Ça va fleurir peut-être plus rapidement qu'en Belgique, qui a un pionnier qui est dans tout ça. Mais je crois que ouais, ça commence, je dirais. Ça commence, ça continue et ça est bouillant. Voilà. Ouais, et puis justement par rapport à ce que vient de dire Noémie,
J'irais aussi dans ce même sens parce que j'ai l'impression qu'en Suisse, c'est tellement bien organisé, le système fonctionne de manière tellement rigoureuse. Vous connaissez la ponctualité suisse, peut-être. Ce genre de choses fait que le mouvement peut prendre très très vite. Il suffit de l'étincelle. Voilà. Non, je rigole. Et ça risque de prendre très très vite et le mouvement de se déployer dans tous les endroits. Ouais, c'est important de dire qu'on n'est pas seul et qu'on est soutenu par des partenaires, des personnes qui ont vraiment envie de soutenir la transition en Suisse romande. Et que on fait partie de ces pionniers qui ont envie de mettre du temps de travail, qui ont envie d'aller à la rencontre des gens sur le terrain. Et que, voilà, on fait partie déjà d'un collectif ici. On n'est pas... voilà, en tout cas, voilà, qu'on a aussi envie de faire partie de ce collectif et d'avancer ensemble. Génial. Eh ben, comme vous le mentionniez, il y a déjà pas mal de liens entre le Hub belge et des gens qui le connaissent bien et puis le Hub suisse que vous lancez. Là, c'est super excitant. Et donc, au nom de toute l'équipe du réseau Transition, on vous souhaite bonne chance et on sera là pour suivre toutes vos aventures. Il y a déjà des projets communs aussi, ça c'est chouette. Des choses qu'on va continuer à développer ensemble. Et donc, vivement de continuer sur cette voie à nous inspirer, à nous nourrir les uns les autres. Voilà, longue vie au Hub Suisse. Merci François. Merci.